La résistance est née à Marseille, paraît-il. Car Marseille restait zone libre après l'invasion des troupes allemandes au nord de la France. A permis aux opposants et persécutés du nazisme de s'y abriter, voire même d'y embarquer vers de nouveaux horizons. Pendant de longs mois, les partisans de la liberté vont observer et agir dans leur coin. Cependant, au fil des mois, ils trouvent de plus en plus d'écho auprès de la population. Le 14 juillet 1942, près de 2000 personnes manifestent dans la cité phocéenne. Sur la Canebière, contre la politique menée par le gouvernement de Vichy. Mais le tournant décisif intervient en novembre 1942. Les Allemands envahissent la zone libre en riposte au débarquement américain en Afrique du Nord. À la fin de l'année 1943, la province bruisse des rumeurs d'un débarquement. Les résistants guettent le signal. L'année 1944 arrive, c'est le printemps. Les alliés sont sur les côtes normandes et toujours rien du côté de la province. Finalement, par message codé, dans la nuit du 5 au 6 août, lancé sur la BBC, l'ordre est donné de rejoindre le maquis. Les nazis disposent d'une garnison importante de la Wehrmacht et de la Kriegsmarine, 15 000 hommes environ. La division Brandebourg est surtout utilisée dans la destruction des maquis et l'arrestation des chefs de la résistance. Entre le 13 et le 16 juillet, plusieurs dizaines de résistants sont arrêtés. On ne les verra plus vivants. Après le déclenchement de l'opération Dragoon, le 15 août sur les côtes varoises, la résistance touche au but. Elle aidera la province à se libérer. L'arrière-grand-père d'Amina a participé à la bataille de Monte Cassino. Il a combattu en Alsace jusqu'à la fin de la guerre. L'arrière-grand-père de Jelissa a combattu pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un tirailleur sénégalais. L'arrière-grand-père de Bilal a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Les médailles qu'il a reçues sont très précieuses pour sa famille. L'arrière-grand-père maternel d'Amina était au 7e tirailleur algérien et a combattu à Notre-Dame-de-la-Garde, à Marseille. Il a été blessé et décoré. Après sa mort, sa femme sans ressources a vendu les médailles. Elles sont moins communes que Omahabish ou Utabish. Ce sont les places du débarquement en Provence, Alpha, Delta ou Kamel. Le 15 août 1944, au petit matin, les troupes alliées débarquaient 2 mois après le débarquement en Normandie. Le soir du 15 août 1944, 6 000 hommes et plus de 50 000 tonnes de matériel sont à terre.